il est l'heure d'un tuto rapido. Et aujourd'hui, on sort sa baguette magique pour en mettre plein la vue à ses potes dans la cour de récré grâce à Alexandra Duvivier, magicienne. Elle va nous expliquer comment faire ce tour-là. Alors, je vais vous montrer un truc qui est hyper bien. J'ai ici trois cartes. Et ce que j'aimerais, c'est que tu me dises une des trois cartes. Le roi de trèfle. Le roi de trèfle? Génial. Bah, tu vas pas me croire, mais je savais que c'était le roi de trèfle que t'allais choisir. Parce que sur ma boîte d'allumettes, il y a une seule carte. Et c'est bien le roi de trèfle, la carte que t'as choisie. Balèze, non? Oh, grave! Mais alors comment Alexandra a-t-elle fait? Réponse tout de suite. Vous voulez comprendre comment ça marche, je suppose? Bon, allez, je vous explique. Alors, il faut effectivement une boîte d'allumettes. Il faut un 8 de pique, à double. Il faut un roi de trèfle, à double. Et il faut le 2 de carreau, à dos rouge. Intéressant. Et vous allez voir que l'entourloupe a lieu grâce à la boîte d'allumettes. La boîte d'allumettes, elle est normale, sauf que tu as vu tout à l'heure que le roi de trèfle est collé dessus. Autrement, dans la boîte d'allumettes, qu'est-ce que t'as? Dingue, t'as le 8 de pique. Tu commences à comprendre? Ah oui, j'ai même tout à fait compris. En fonction de la réponse de la personne, il suffit de choisir quel côté de la boîte d'allumettes montrer. Et si on avait choisi le 2 de carreau? Ah ça c'est une bonne question. Alors si t'avais choisi le 2 de carreau, bah tu vas pas le croire, mais dans ma boîte d'allumettes, j'ai justement une prédiction. Oh bah non, c'est trop facile, c'est juste marqué, je le savais. Hein? Non, c'est pas fort? Je le savais, bah si, je le savais que c'était le 2 de carreau. Je te montre pourquoi. Parce que c'est la seule carte qui a un dos rouge. C'est fort, non? C'est génial même. En fait, les trois options pour les trois réponses étaient déjà préparées. Et le magicien s'adapte à la réponse de celui qui est en face de lui. Waouh, c'était très cool Alexandra, hein. Tu es une magicienne géniale. J'ai hâte de faire ce tour à mes amis. D'ailleurs, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, foncez sur le site internet de Gulli, rubrique WhatsApp, pour revoir tranquillement cette vidéo.